Chapitre 16. Ce qui arriva aux statues. « Quel endroit extraordinaire s'écria Lucy. Tous ces animaux de pierre et ces gens aussi. On, on dirait, on dirait un musée. Chut dit Susan. Aslan est en train de faire quelque chose. En effet, il avait bondi vers le lion de pierre. Et il soufflait sur lui. Puis, sans attendre, il fit volte-face. Un peu comme un chat qui cherchait à attraper sa queue, il souffla aussi sur le nain de pierre qui, vous vous en souvenez, se tenait à quelques pas du lion en lui tournant le dos. Puis il se précipita sur une grande dryade de pierre qui était derrière le nain, s'en écarta rapidement pour s'occuper d'un lapin de pierre sur sa droite et fonça vers deux centaures. À ce moment, Lucy s'exclama Suzanne, regarde Regarde le lion Je suppose que vous avez déjà vu quelqu'un. Approchez une allumette enflammée d'un morceau de papier journal, froissé dans une grille contre les bûches d'un feu éteint. Pendant une seconde, rien ne semble se passer. Puis vous remarquez un minuscule liséré de feu rampant au bord du papier. C'est exactement ce qui se produisait en ce moment. Une seconde, après qu'Aslan eut soufflé sur, soufflé sur lui, le lion de pierre n'avait pas changé d'aspect. Puis, un minuscule liséré d'or se mit à courir le long de son dos de marbre blanc. Il s'élargit ensuite et la couleur parut le lécher tout entier, comme la flamme lèche un morceau de papier. Puis, alors que, visiblement, son arrière train était encore en pierre, le lion secoua sa crinière et tous les lourds plis de pierre se métamorphosèrent en vivantes ondulations de fourrure. Il ouvrit une énorme gueule rouge, chaude et vivante, et laissa échapper un gigantesque bâillement. À présent, ses pattes arrière étaient revenues à la vie. Il leva l'une d'elles et se gratta. Puis, ayant aperçu Aslan, il bondit vers lui et sauta pour lui lécher le visage. Les enfants suivirent le lion du regard. Mais le spectacle qu'elles virent par ailleurs était si fantastique qu'elles oublièrent bientôt le lion. Partout, les statues s'animaient. La cour ne ressemblait plus à un musée, mais plutôt à un zoo. Les créatures couraient derrière Aslan, dansaient autour de lui, tant et si bien qu'il fut presque caché par cette foule à la place de toute cette blancheur mortelle, il y avait maintenant dans la cour un flamboiement de couleurs les flancs châtains illustrés des centaures, les cornes indigo des licornes, les éblouissants plumages des oiseaux, le brun rouge des renards, des chiens et des satyres, les bas jaunes et les capuchons écarlates des nains le vert frais et transparent des fées des bouleaux, et le vert presque jaune, à force d'être brillant, des fées des mélèzes. Et au lieu du silence de mort, il y avait dans la cour une rumeur joyeuse et sonore, un concert où se mêlaient rugissements, braiments glapissements, aboiements, cris aigus, roucoulements, hennissements, piafements, vivas, chansons et éclats de rire. Oh s'écria Susan d'une voix changée. « Regarde, je me demande, est-ce bien prudent ?» Lucie vit que le lion venait de souffler sur les pieds du géant de pierre. « Tout va bien !» cria Aslan joyeusement. « Une fois que les pieds sont rétablis, le reste suit. Euh, »« Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, » chota Susan à l'oreille de Lucie. Mais il était trop tard pour faire quelque chose maintenant, même si Aslan avait voulu l'écouter. La métamorphose avait déjà affecté les jambes du géant, et voilà qu'il bougeait les pieds. L'instant d'après, il ôtait la massue de son épaule, frottait ses yeux et disait Dieu me j'ai dû dormir. Au fait, où ouais, est cette maudite petite sorcière qui courait par terre Elle était près de mes pieds. Tout le monde cria pour lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Et le géant mit sa main près de son oreille et leur fit répéter toute l'histoire jusqu'à ce qu'il l'ait comprise. Et alors, il s'inclina, et sa tête n'était pas plus éloignée que le sommet d'une meule de foin. Il souleva son chapeau à plusieurs reprises à l'intention d'Aslan. Et tout son visage, très laid mais très honnête, était rayonnant. Les géants sont de nos jours assez rares en Angleterre, et si peu ont bon caractère, que je parie que vous n'avez jamais vu un géant au visage rayonnant. C'est un spectacle étonnant. À présent, occupons-nous de l'intérieur de cette maison, déclara Aslan. Hardi, tout le monde Montez et descendez les escaliers et n'oubliez pas la chambre de madame. Cherchez dans tous les recoins. On ne sait jamais où peut être caché un pauvre prisonnier. Et tous s'élancèrent à l'intérieur. Et durant plusieurs minutes, ce vieux château, sombre, horrible et qui sentait le renfermer, résonna tout entier du bruit des fenêtres que l'on ouvrait et des voix qui criaient toutes à la fois N'oubliez pas les cachots! Hé, hey, aidez-nous ouvrir cette porte! Hé, hey, voilà un autre petit escalier en colimaçon! Oh, dites donc, voilà un pauvre kangourou! Appelez Aslan! Pouah, quelle odeur! Attention aux trappes! Venez ici, il y en a beaucoup sur le palier! Mais le meilleur moment fut l'arrivée de Lucy qui montait les marches deux à deux en hurlant Aslan Aslan J'ai trouvé Monsieur Tamnos Oh, venez vite Un moment plus tard, Lucy, le petit Faune, se tenait par les mains et dans cette joie sans plus pouvoir s'arrêter. Avoir été transformé en statue n'avait pas marqué ce petit personnage et naturellement, il était très intéressé par tout ce qu'elle avait à lui dire. Le branle-bas dans la forteresse de la sorcière prit fin. Le château tout entier était vide. Chaque porte et chaque fenêtre étaient, ouvert. étaient ouvertes et les suaves brises printanières pénétraient dans toutes ces pièces sombres et maléfiques, qui avaient terriblement besoin de ce souffle nouveau. La foule entière des statues libérées reflua vers la cour. C'est alors que quelqu'un, Tom Nos, je crois, demanda. Mais... Comment allons-nous sortir d'ici Car Aslan était entré en sautant par-dessus la muraille et les portes étaient toujours fermées. Cela s'arrangera, dit le lion. En se dressant sur ses pattes arrière, il hurla au géant hey, :« Eh, vous là-haut Comment vous appelez-vous » Géant Tony Truant, pour vous servir, dit le géant en soulevant une nouvelle fois son chapeau. Eh bien, Géant Tony Truant, » dit Aslan. Fais-nous sortir d'ici, veux-tu Certainement, votre honneur, avec plaisir. Éloignez-vous des portes, vous tous, les petits. Puis il s'avança vers la porte, et son énorme massue fit Bang 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 Les portes grincèrent au premier coup, se fissurèrent au second, et tremblèrent au troisième. Puis il s'attaqua autour qui étaient de chaque côté des portes et après quelques minutes de fracas et de coups sourds les deux tours ainsi qu'une bonne partie du mur attenant s'écroulèrent avec un bruit de tonnerre brisé en mille morceaux et lorsque la poussière se dissipa ça parut vraiment bizarre de se trouver dans cette cour aride sinistre et caillouteuse et de voir par la brèche l'herbe et les arbres frissonnants et les rivières scintillantes de, de la forêt et plus loin, les collines bleutées, et plus loin encore, le ciel. Ouh! Ben Me v'là tout en sueur! dit le géant, en soufflant comme une énorme locomotive. Je manque d'entraînement. Je suppose qu'aucune de vous, jeunes demoiselles, n'a quelque chose qui ressemblerait à un mouchoir de poche. Si, j'en ai un, dit Lucie, en se mettant sur la pointe des pieds et en levant son mouchoir aussi haut qu'elle le put. « Merci, mademoiselle !» dit le géant tonitruant en se baissant. L'instant suivant, Lucy connut une belle frayeur, car elle se retrouva emportée dans les airs, entre le pouce et l'index du géant. Mais comme elle approchait de son visage, il sursauta soudain. Il la reposa avec douceur sur le sol en marmonnant. « Oh, Dieu me bénisse, Je suis trompé et j'ai pris la petite fille. »« Je vous demande pardon, mademoiselle. Je pensais que vous étiez le mouchoir. » Non, non, dit Lucien en riant, le voici. Cette fois, il réussit à l'attraper, mais pour lui, ce mouchoir avait la taille de qu'aurait un petit cachet d'aspirine. Et quand Lucie vit le géant frotter solennellement sa grande figure rouge avec ce mouchoir, elle s'exclama oh, Je crains qu'il ne vous soit pas très utile, monsieur Tony si !» répondit le géant poliment, je n'ai jamais rencontré un mouchoir aussi agréable. Si fin si commode, si... Je ne sais pas comment le décrire. Quel aimable géant, confia Lucie à M. Tomnos. Oh oui, répondit le fond, tous les tonitruants ont toujours été aimables. C'est l'une des familles de géants les plus respectées à Narnia. Ils ne sont peut-être pas très intelligents, je n'ai jamais rencontré de géant qu'ils soient, mais c'est une vieille famille, avec des traditions, vous comprenez. S'il avait été d'un autre genre, la sorcière ne l'aurait jamais changé en pierre. À ce moment, Aslan frappa ses pattes l'une contre l'autre et demanda le silence. Notre tâche n'est pas encore terminée, dit il. La sorcière doit être vaincue avant ce soir. Nous devons rejoindre la bataille tout de suite. Et y participer, j'espère. ajouta le plus fort des centaures. Naturellement, répondit Aslan. Et à présent ceux qui ne peuvent pas nous suivre, c'est-à-dire les enfants, les nains, les petits animaux, doivent monter sur le dos de ceux qui en sont capables, c'est-à-dire les lions, les centaures, les licornes, les chevaux, les géants et les aigles. Ceux qui, ceux qui ont du flair doivent venir à devant avec nous, les lions, pour trouver la piste qui nous mènera au champ de bataille. Hardi, les amis, et prenez vos places! Ce qu'ils firent, avec force, remue-ménage et acclamation. Le plus enchanté de tous était l'autre lion qui ne cessait de courir dans tous les sens, en affectant d'être très occupé, mais en réalité, pour dire à toutes les personnes qu'il rencontrait. Avez vous entendu ce qu'il a dit? Nous les lions. Ça signifie lui et moi. Nous les lions. Oh, C'est ce que j'aime chez Aslan. Aucune prétention, aucune supériorité. Nous les lions. Ça signifie lui et moi. Il continua à répéter ces phrases jusqu'au moment où Aslan lui mit sur le dos trois mains, une briade, deux lapins et un hérisson, ce qui le calma un peu. Quand ils furent tous prêts, c'est un grand chien de berger qui aida le plus à cela à les mettre en ordre. Ils sortirent par la brèche ouverte dans la muraille du château. En tête marchaient les lions et les chiens qui reniflaient dans toutes les directions. Et soudain, un grand chien de meute flaira la piste et donna de la voix. Il n'y eut pas de temps perdu ensuite. Bientôt, tous les chiens, lions, loups, et autres animaux de chasse foncèrent à toute allure, leurs museaux à terre, et tous les autres éparpillés sur un kilomètre environ derrière eux les suivirent aussi vite qu'ils le pouvaient. Le bruit ressemblait à celui d'une chasse à cours au renard en Angleterre, <laughs> mais c'était plus beau, parce que de temps en temps aux aboiements des chiens se mêlait le rugissement de l'autre lion, et parfois même, beaucoup plus profond et terrifiant, le rugissement d'Aslan. Ils allaient de plus en plus vite au fur et à mesure que la piste était plus facile à suivre. Et alors, juste au moment où ils atteignaient la dernière boucle d'une vallée étroite et sinueuse, Lucie entendit, dominant tous ces bruits, un autre bruit, très différent, qui lui fit éprouver un sentiment très bizarre. Ce bruit était fait de clameurs, de cris perçants, et du fracas du métal contre le métal. Ils sortirent alors de la vallée, étroite, et elle comprit tout de suite ce qui se passait. Peter, Edmund, et tout le reste de l'armée d'Aslan combattaient désespérément contre la foule des êtres horribles qu'elle a... qu avait vus la nuit précédente. Mais à présent, dans la lumière du jour, ils avaient l'air encore plus inquiétants, plus néfastes et plus difformes. Ils semblaient beaucoup plus nombreux également. L'armée de Peter, qui lui tournait le dos, paraissait terriblement restreinte. Et il y avait des statues disséminées sur tout le champ de bataille. Ce qui signifiait que la sorcière, de toute évidence, s'est servie de sa baguette. Mais apparemment, elle ne l'utilisait plus en ce moment. Elle combattait avec son couteau de pierre. C'est Peter qu'elle combattait. Tous les deux luttaient avec une telle violence que lui aussi pouvait à peine discerner ce qui y arrivait. Elle voyait seulement le couteau de pierre et l'épée de son frère passer si rapidement qu'elles avaient l'air d'être trois couteaux et trois épées. Ces deux combattants se trouvaient au centre de la mêlée. De chaque côté s'étirait la ligne des autres guerriers. Quel que soit l'endroit où elles regardaient, il s'y produisait des choses horribles. Descendez de mon dos, les enfants. S'écria Aslan. Toutes deux sautèrent vivement à terre. Alors, avec un rugissement qui ébranla tout Narnia, depuis le réverbère occidental jusqu'au rivage de la mer orientale, le grand fauve se jeta sur la sorcière blanche. Lucy vit son visage se lever un instant vers celui du lion avec une expression de terreur et d'intense stupéfaction. Puis, le lion et la sorcière roulèrent l'un sur l'autre, mais elle avait le dessous. Au même moment, toutes les créatures belliqueuses qu'Aslan avait guidées depuis la maison de la sorcière se précipitèrent furieusement à l'assaut des lignes ennemies. Les nains avec leurs haches d'armes, les chiens avec leurs dents, le géant avec sa massue et ses pieds aussi. Écrasèrent une douzaine d'ennemis, les licornes avec leurs cornes, les centaures avec leurs épées et leurs sabots. L'armée fatiguée de Peter retrouva sa vigueur et poussa des acclamations et des hurrahs. Les nouveaux venus rugirent, les ennemis se mirent à crier et à gémir, et le bois tout entier résonna du vacarme de cette attaque.